Merci chorale. Natondi bayembi. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je vous souhaite tous bienvenue dans la maison de notre Père. Voilà encore une autre opportunité que Dieu nous donne pour passer à un autre cap. Car sa bonté est inépuisable, il la renouvelle chaque matin et nous sommes aujourd'hui sous sa bonté. Acclamons encore pour ce Dieu-là. Il est bon, il est merveilleux. Il est précieux. Amen. Amen. Comme d'habitude, avant de nous asseoir, rassurons-nous que nous avons salué tous ceux-là qui sont autour de nous. Bon, mes amis, libosoto songe la vakiti, ndimisa mete aussi opesi mbote na mutunyo sale mo panzi na yo ezala si matona liboso na loboka mwa sita mobali. Ozali ko pesa mbote na kotombela ke engelamu maloba kitoko esi mabo mo inaye. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soka mona kate amona sa. Merci. Que Dieu soit loué. Avant d'entrer dans mon serment, je voudrais d'abord présenter un couple. Nous sommes honorés ce matin par leur présence. C'est un couple référence. C'est un couple repère. Ils nous ont vu grandir à l'église. Et nous suivons aussi leur pas. Aujourd'hui, ils sont parmi nous. C'est un couple qui fait partie du Conslink. Il s'agit bel et bien de papa et maman Likobé que je demanderai de se lever pour que nous puissions. Nous vous aimons. Soyez le bienvenu. Merci. Oui, nous aurons quelques minutes à leur confier à la fin. Ils ont un mot à dire pour les comptes des assises que notre église mère organise dans le cadre de Conslink. Na liboso to sili samaya na biso minute miketo ko pesa bango pote bazali na sango to maloba muke yakoya ko yebisa biso lingoma na maye lingoma iko bongisa na mematali babalani. Alors pour aujourd'hui nous enchaînons avec notre thème du mois, le mois de la famille. Pona lelo tozali kokoba na mama na likambo oyo etali mabota. Alors écrivons d'abord avant de lire ces deux versets. Je dirais trois versets. Le premier, c'est Genèse 12, 1 à 3. Le deuxième, c'est Luc 18, 28 à 30. Le troisième verset, c'est 2 Chroniques 16, verset 9. Litangi ya suka ikozala ba chronique ami balé mokapo ya mitano molongo libwa. Je pense que nous avons tous écrit et nous voulons passer à la lecture, donc. Nabanzi tosi tokomi. Lepesanzela totelema na likolo bongo toyoka kotanga ya makomi. Alors je demanderai à nos lectrices de me permettre de lire. Le premier verset. Parce que je vais lire ça dans une autre version qui est la vôtre. Je vais lire ça dans la version Parole vivante. Genèse 12, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 12, Molongo Yaliboso Kino Yamisatu. Le Seigneur dit à Abraham, Kolo à Lobina Abraham, quitte ton pays, ta famille, ta maison, la maison de ton père, va dans le pays que je vais te montrer. Longwa nandak nambo kanabino.
na ekolo na yo mpe tikanda kwa tata na yo zwanze la kende na mboko nga moko na kolakisa yo. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre, je bénirai les autres par toi. Nakobimisa kati na yo ekolo ya bato ebele pe nakopambola yo nakosala te kombo na yo eyebana pe nakokomisa yo litima ya mapamboli. Je préfère m'arrêter par là. Alors, suivez, alors lisez le reste. Luc 18, 28 à 30. Luka mokaponazomi na mambe molongo ya tukumi bale na mambe kino tukumi satu. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Petelo alobi na eli susu kasi tala biso to tika nyoso to koma kolanda yo. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants. Nazo ebisabino ya solo penza et tika kozala na mutu moko te oyo atika nyoso pona bokonzi na likolo atika ndako na ye atika mwasi na ye atika bande kona mi bia mbali baboti ne to bana na ye ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Bongo azwa te ne keke oyo koleka na ebele na mabele oyo ti azwa na bokonzi na likolo. 2 Chroniques 16 à partir du verset 8 au lieu de 9, commencez par le verset 8e. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée? Tala batomboka Éthiopie na batomboka Libye basala ki lipinga monene te avec de chars et une multitude de cavaliers na bamakalo na basoda ebeleboe. Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'es appuyé sur lui. Pambate Yahweh Nzambe akabi bango na maboko na yo ata ko ebele na bango po yo otiela kiye motema. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Nzambe aiko tala mokili mobimba mpe abongami asunga moto nyonso azali motema mobimba epai na ye. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Nalikambo epena otali si bozoba na yo. Car dès à présent tu auras de guerre. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Comme je venais de dire que nous sommes dans le mois de la famille. Et ce thème de la famille, dans ce thème de la famille, donc on parle d'Abraham. Abraham appelé par Dieu pour devenir une source de bénédiction des familles de toute la terre. Il a appelé Abraham pour faire de lui père de bénédiction de toutes les familles de la terre. Donc si la Bible dit que Dieu fait d'Abraham une source de bénédiction, souvenez-vous de ce que je vous ai dit le dimanche passé, que père signifie source. Donc cela voudrait dire que Dieu a appelé Abraham pour faire de lui père de bénédiction de toutes les familles de la terre. Ce qui dit que Abraham a commencé l'itima, Alors, quand il a appelé Abraham, il a commencé d'abord à lui donner un test. Il a d'abord commencé à tester Abraham en lui disant, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. C'était un test, comme je vous ai dit, de quitter ta patrie, ta maison, la maison plutôt de ton père. C'était un test, c'est pas chose facile. Mais allez comme ça. Ils allaient bazo kuti sa yote
Parce qu'une fois que Dieu appelle quelqu'un pour faire de lui quelqu'un d'autre, il doit se rassurer pour être sûr que la personne mérite d'être ce qu'il veut, il va d'abord le tester. N'est-ce pas, je vous ai dit qu'il n'y a rien. Dieu ne peut rien faire ou il n'y a rien de grand que Dieu peut faire s'il n'a pas encore trouvé une personne disponible. Donc pour faire quelque chose de grand, Dieu doit se rassurer d'abord de trouver quelqu'un qui doit être disponible. S'il trouve la personne disponible, il va, pour se rassurer, le faire passer par des tests. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, il lui a donné le premier test, je crois que je t'ai parlé de ça le dimanche passé, en lui disant, en lui demandant de quitter, sa patrie, de quitter la maison de son père. Après ce test, il a dit, donc, Abraham devait quitter sa terre natale. Abraham devait quitter sa terre d'origine pour se rendre dans un pays qu'il ne connaissait pas, que Dieu allait lui l'indiquer plutôt. Abraham est bon à qui n'a pas mis qu'un an. Atika mboka nae oya yebi malamu. Atika mabele oya yebi malamu. Bongo abana okene na mboko yo ayebi na mutu na makolo na ngote. Avant de posséder ce pays, il devait d'abord réussir à ce test là de quitter. Na liboso akene kozo mabele asika. Esengeli alonga nae na komeka maona komeka oenza matinie alongwa. Dans la Bible, il y a ce que nous appelons des préalables, des priorités, ou ce qu'on dit premièrement. Na katika ya Biblia, ezali makambo ya liboso, oyo penza tobenga yango masengeli. Il y a des préalables, il y a des priorités dans la Bible. Ezalaka na masengeli, biloko esengeli osala nanu na Biblia. Il y a ce qu'on appelle premièrement. Ezalaka na biloko tobi yayambo. Voilà pourquoi dans Matthieu 6:33, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vont suivre. Donc il y a un ordre de priorité là-dessus. La priorité c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. Yayambo penza ezali koluka nanu bokozi alikolo. Pour avoir le reste. Pour oso nyoso ekotika là. C'est-à-dire pour avoir le mariage. Pour la santé divine. Le travail. Mosala le voyage. Mibembo l'argent. Mosolo. Que sais-je encore? Niyo tikali. D'abord. Yaliboso. D'abord. Yaliboso nanu. Il faut chercher nanu luka hériter le royaume de Dieu. Luka osango la bokonzi na likolo. C'est ça la priorité. Yamonde zali lisengeli. Le royaume de Dieu. Bokonzi na likolo. L'Ancien Testament c'est le prénombre du Nouveau Testament, le prénombre du Nouveau Testament. Boyokani akale zali lokwa elilingi ya boyokani asika. À Abraham, il devait quitter Ur pour se rendre à Cana. Abraham et bon pour la allongwa Ur bongo akena mabele babengi Cana. C'est ça le nouveau pays qu'il devait découvrir. Mboka ya siko esengela ki azwa. Mais dans le Nouveau Testament, je vous l'ai dit, Jésus a dit aux disciples, je dois partir, vous préparer une place dans la maison, cette fois-ci, de mon Père. Ah bien,
bongisa na bino esika na mbala oyo na ndako ya tata na ngai. Donc il parlait, il disait aux disciples, il dit aux disciples de quitter les maisons de vos pères pour aller dans la maison de mon père. Il parle de paradis, pas de royaume des cieux. Ah, et ngoloba aninga bisa ba ekolite botika ba ndako ya ba boti na bino. Voilà pourquoi dans le livre de Luc il parle de quitter. Dans Genèse il a dit à Abraham de quitter pour se rendre dans un pays qu'il va lui montrer. La terre là c'est Canaan. Quitter le style de vie de ses parents pour adopter un autre style de vie. Et c'est dans ce texte de Luc que Jésus voulait dire, celui qui a quitté ses frères, ses soeurs, sa maison pour me suivre, il aura les centuples. C'est-à-dire, si d'abord tu cherches Dieu, tu connais Dieu, tu hérites le royaume de Dieu s'hérite ici sur la terre. Oui, quand nous voyageons à Paris, en France, aux États-Unis, le visa nous l'obtenons où? Ici, non? Bon, ceux qui ont dit qu'ils à Paris, ou qu'ils États-Unis, ou qu'ils sont en Toloba, visa, casa, ou qu'ils sont en Toloba. C'est-à-dire, pour avoir les centuples, pour avoir le mariage, c'est d'abord le royaume de Dieu. C'est ça le passage obligé. Donc, il faut quitter. Abraham devait quitter la maison de son père. Abraham, il devait quitter, donc la maison c'est la tribu. Il devait quitter ce style de vie, il devait quitter les coutumes, il devait quitter la patrie, c'est-à-dire le pays, le style de vie du siècle présent. On doit quitter pour adhérer une vie et mériter des choses au centuple, être vachement béni, abondamment béni. Abandonne l'alcool, abandonne le péché, abandonne l'impudicité. C'est ça, quitter, quitter. Voilà pourquoi dans le dans Genèse, on parle de quitter. Et dans le livre de Luc, on parle quitter. Donc, je vais me focaliser sur ce verbe-là, quitter. Tant balobi, osunoli masanga, osunoli kindumba, osunoli moyibi, osunoli koshina, bongo oya kokota, na ezali le mosusu ya sika. Tant balobi, ko longwa. Net na luka to na Genèse, lelo na kofane la kaka, elobi tolumi longwa. C'est le passage obligé. Ezali nzela wa ya kosenga la pena. C'est le passage obligé. Ouais, sengela le kango lika olika. Bien aimé, quitter. Ce mot-là qui te pèse beaucoup. En grec, en grec, qui te veut dire quelque chose de difficile. En grec, qui te veut dire quelque chose de difficile. Voilà pourquoi nous remarquons beaucoup de chrétiens ne sont pas encore convertis parce qu'ils sont pas encore, ils n'ont pas encore Amen. Quitté. C'est pas facile de quitter, bien-aimé. Il y a un homme dans le Christ, au même moment Christ, nous regardons à bon moment n'écoute pas. Pour la pour quoi pas si on a dans la salle. Voilà pourquoi je voudrais vraiment m'apesantir sur ce verbe-là, quitter. C'est très important parce qu'une fois que nous quittons, nous allons vivre le sentier. Quitter, c'est pas facile. Je répète bien, mais quitter, c'est pas facile. Je donne un exemple. Jésus-Christ a demandé à ce jeune homme riche de vendre tous ses biens et de le suivre. La
Le jeune homme riche a échoué. Et Jésus voulait lui dire de quitter ce qu'il fait. Quitter, c'est pas facile. Quitter, quand on vous dit de quitter, c'est pas facile. Bien aimé, Dieu a dit à Jacob de quitter Bethel. Mais vous lisez seulement la Bible, vous n'entrez pas dans ces réalités. Dieu dit à Jacob de quitter Bethel. Là où il a vu le ciel s'ouvrir. Là où il a vu les anges monter et descendre. Et Dieu lui dit de quitter. Mais c'est pas chose facile. Quitter. C'est pas facile. Là où il a vu le ciel s'ouvrir. Quelle gloire! Il a vu les anges monter et descendre. Et on lui dit de quitter là-bas. Voilà pourquoi, si vous vérifiez tout autour de nous ici, il y a encore des gens qui prient à Mangembo Bandan, mais qui ne viennent pas ici parce qu'ils ne veulent pas quitter Bandan. Tu dois réfléchir quand tu lis les mots quitter. Tu dois méditer pour comprendre ce que c'est. Peut-être tu peux dire Pierre a facilement suivi Jésus. Oui, Pierre a facilement suivi Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre a compris que Jésus pouvait facilement lui donner ce dont il avait besoin. Et quand il a suivi Jésus, il a encore vu le contraire. Il vient d'engager ce débat que nous venons de lire dans l'Église. Nous qui avons tout quitté. Quand j'étais à Bandar, je suis allé assister une maman qui a été éprouvée. Je suis allé au deuil. La maman vraiment engagée, elle était toute triste là. Quand on a commencé à jouer la musique folklorique de leur village, j'ai compris que la maman n'a pas encore quitté. La maman commence à pleurer. Elle n'a pas encore quitté. Quitter. Aujourd'hui, nous devons comprendre quitter ce que nous avons. Prendre ça au sérieux. Quitter. Ce jour-là, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. J'ai vu encore une autre maman venir assister. La maman engagée. Quand elle est arrivée, parce que moi j'étais juste là devant le cercueil. Quand la maman est venue, elle a pris une attitude méditative. Elle est venue devant le cercueil. Moi je regardais tous les pas. La maman. J'ai regardé. J'entendais. De voir ce qu'elle pouvait faire. Non, c'est la parce qu'elle était venue devant le cercueil. Elle a pris plus ou moins une minute. Et après, elle a fait ça. Si mané rebeta, tant. Elle n'a pas encore quitté. Elle n'a pas encore quitté. Yo, ça a quitté. Quitté. L'ongakuna. J'étais à Bandal. On venait d'engager un frère à la chorale. Je l'ai fait passer à la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen.
après la prière de délivrance, elle a rejoint la chorale. Et je suis venu assister à sa première répétition. Quand elle a commencé à chanter, j'ai observé ses grimaces. J'ai compris. Effectivement, cet orchestre a existé. Bien aimé, d'abord quitter. D'abord chercher le royaume des cieux. Abraham devait quitter. Le fait de quitter pour Abraham était une délivrance aux lois et aux malédictions générationnelles. Pour Abraham, quitter l'alcool, quitter le monde, quitter la musique païenne, quitter tout. C'est ça. Nous devons obtenir la délivrance avant toute chose. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas seulement au papa. Tout le monde est concerné. Maman, si papa ne comprend pas, maman, toi tu peux devenir père. Ne crains rien. Père signifie source. Source de bénédiction. Même toi. Même si tu es un fils. Si tes parents ne comprennent rien. Et que toi tu comprends. Tu peux devenir père. Abraham n'avait-il pas un père? Abraham Azaka. Mais pourquoi Dieu devait faire de lui encore un père? Saoul ne s'occupait pas des brebis de son père. Quand Dieu lui a demandé de quitter, n'est-ce pas, il a quitté? Et quand il a quitté, qu'est-il devenu? Autrefois il était fils de Kis. Mais après il est devenu père de la nation d'Israël. Bien aimé, si tu quittes, la grandeur sera ton partage. Aujourd'hui je m'adresse à un père sans tenir compte de son sexe, sans tenir compte de son rang dans la famille. Je cherche quelqu'un qui est disponible pour Dieu, qui doit tout quitter, être délivré. Parce que Abraham, le fait de quitter, c'est ça, obtenir sa délivrance. Il devait quitter pour aussi délivrer sa famille qui était dans l'idolâtrie. Parce qu'un captif ne peut pas délivrer notre captif. Oh my God. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Tout le monde doit être père. Si tu comprends ce message, toi tu peux être le déclencheur de la délivrance de ta famille. Si tu décides de tout quitter, si tu obtiens ta délivrance, tu peux aussi délivrer ta famille de la captivité. Tu peux aussi délivrer ta famille de la sorcellerie. C'est le cas de ma famille. C'est le cas de ma famille.
Quand je me suis converti, ils ont vu ma conversion. Écoutez, Dieu n'a pas seulement appelé Abraham pour Azalakaka Moboti Bana. Non. Abena qui est pour Azala bénédiction, mais source. Y a amen. Amen. Un père Tata doit être un repère. Et c'est là Azalaka Elembo Yakolanda. Un père Tata doit être une source. Et c'est là dans la litima. Par lui, beaucoup de personnes doivent être bénies. Aujourd'hui, même un garçon de 20 ans peut devenir le père des personnes de 80 ans. Même vous, maman, si vous comprenez, vous prendrez la place de père. Quand j'utilise le mot père, je vois la source. Mais nous devons quitter, c'est difficile. Quitter c'est difficile. Ce qui n'a tiki le lo pour yem d'après un amour, on a foutu la maman d'Ako, sinon te. Non! Te! Non! Kotiki le lo, il y a ce qu'on appelle des priorités, il y a ce qu'on appelle des préalables. Et pour entrer vivre au centuple, il faut d'abord. Et ça, il y a un peu de sengeli, il y a un peu de pour que ne soit pas kama, il y a un peu de tika. Nous renversons. L'ordre c'est de quitter d'abord. Abraham devait d'abord quitter. Il y a l'ordre de priorité. Malheureusement ici, au lieu de commencer à chercher le royaume des cieux, au lieu de commencer à quitter, au lieu de chercher le royaume des cieux, nous commençons à chercher le reste. Or, le reste vient après le royaume des cieux. Parce que la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. C'est un test. C'est un test. Pour devenir grand, tu dois quitter cette vie. Comme dirigeant un département, vous avez besoin de tester. Il n'y a pas de situation où vous encadrez. Est-ce que vous réussissez le test et à Ikobo? Pourquoi ma père? Il y a plusieurs tests devant nous. Et ça va comme une belle émotion à vivre. Batiké liombongo, il y a offrande d'église au tanga. Pasteur, vous avez habité côté combien? Est-ce que mbongo on est au côté nions? On est à tester. Ça, je vous ai dit. Dieu m'a testé un jour. J'avais encore 18 ans, 17 ans. Vous allez jouer au foot quand je suis rentré à la maison. J'avais très faim, je voulais manger. Je suis d'abord entré dans la maison, j'ai vérifié partout, j'ai vu dans l'armoire. Un plat bien garni. Du riz, sur lequel on a mis du pondou, avec l'épaule du poulet. J'ai dit, avant de demander à maman mon plat, na yiba na la moitié. Nazo mena na ba loso mibimba.
Et tant que vous êtes maman, vous avez un armoire. Vous avez un armoire. Vous avez un finicaté. Sois calme. Zala Kimia. Vous avez un joueur. 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 Vous avez un Je parle de quitter. Longwa. Tika. Quitter. Longwa. Tika. Et pourtant, tu demandes à Dieu de te donner le mariage. Tu demandes à Dieu de te bénir. Dieu te bénit avec 100 dollars. Enlève seulement 10 dollars pour la dîme. La dîme, ça m'a payé 100 dollars. Paye ça à mon corps dans une zone. Oh, caté. Matéo Naotea, ils ont un look à battre comme ma père. Dieu a testé Abraham à partir de son fils unique. Donne-moi. Zambé, mais qui Abraham n'a dit là, moi, n'est-ce pas qu'il n'a pas de sang. Paye ça à moi, n'est-ce pas qu'il n'a pas. Qui est avec moi? Nanya Zola Nangay. Quittez! Tika! Longwa! Nous devons quitter! Et Seigneur, nous sommes Longwa! Dieu te teste! Zamba comme ça! Oh, quelqu'un a un pantalon, moko, chemise, moko! Oh, comment on nous défend? Ce sont des tests. Ce sont des tests. J'ai compris que le verbe est quitter. Les Grecs ont raison de dire quelque chose de difficile. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas quittées. Or, nous devons aspirer à devenir des pères. Un père ne sera pas une bénédiction, mais un père sera une source. Tata, yete mutazali pa molikasi, yé azali peza liziba. Dieu veut le bien nous bénir au centuple. Jamais à l'ingé au pambo la biso na mokama penza. Mais, kasi, il nous donne de petits tests. Azoko mekabiso mike mike. Une maman, maman moko, voulait remercier un papa qui lui a construit beaucoup de maisons. A l'ingé ka pesa melesi na tata tongeli vanda kwebele. Oui, ce papa-là vraiment a conçu beaucoup de maisons de cette dame. Cette dame avait beaucoup d'argent. Maman a zaki na bamongo ebele. Siko yo tata tongele banda ko pebele pa maman. L'âge avancé, il devait aller en retraite. Le col amou le pousser ne sengela tika ko sa. La maman lui a demandé de lui construire une dernière maison. Maman a eko senga e tongela nganda oyo ya suka. Il lui a donné de l'argent tout. A zimbango a pesse mbongo nyo sa na bilo. Contrôler ses papas. Alandeli kutu tata te. Et ce papa là s'est dit comme je suis en train d'aller en retraite. Tata na lobi lokwa na zone. Je dois préparer ma retraite. Et c'est comme ça qu'il y a ciment moko et bimisa. On a pris exemple 10 briques. Il y a comme bimisa 30 briques dans ça qu'il y a ciment moko. Il a tout fait. A sali nyoso. Bon, on rebenda ba mivé. Fondement, il a fallu de la très solide, mais il y a tiéba. Si ma mouke, ma banga mouke, a tongi pour a préparer retraite. Pour ça, mille kelo. Et quand elle a terminé, dans la sisi kotongandako, avec toutes les clés, elle est venue remettre à cette maman. Azui ba fongo la nyonso, yandako, si l'ici, a yoko pesa maman. La maman là lui a dit, maman na evisie, papa rozong se langa ite o nde zandako, na nga ki na pesa yon na vida. Nako no ya retraite. Nous devons quitter, bien-aimés. Tout ce qui est tika balinga mito tika.
nous devons quitter. Quand j'étais ordonné pasteur, on m'a fait un don. Une vache. Ngombe. Non, ce n'était pas une vache, un bœuf. Ngombe ya mobali. Qui avait même tendance à devenir un taureau. A pena comme ngombe zamba. Ya munene makasi. Vimba misuni. Chaque fois quand je me réveillais, je regardais ça dans la passée. Et nous sommes la muki na otala ngona na. Je priais Dieu pour chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux partager ça avec la famille. Je priais, Dieu, montre-moi des voies. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux partager? À mon grand frère, je vais donner ça. À mon grand frère, je vais donner ça. Mais comment je peux? Et j'ai entendu mon épouse venir me dire, comment tu sais que Ngombe est au son Kadad? Comme France. Ah, j'ai eu la réponse. Nazu. Et un non. J'ai eu la réponse. Et j'ai compris que non, j'étais ancien, je suis devenu pasteur, je dois poser de nouvelles bases pour ne plus faire ça. Alors je dois lui offrir cette vache. Tout entier. Et maintenant je suis en train d'évoluer pour quitter pasteur, devenir un père. Je ne veux pas seulement rester un pasteur. Mais je veux devenir un père. Qui signifie une source. Qui compte sera avec moi doit être béni. Oh my God. Il y a plusieurs tests. Ma famille est ici. Écoutez bien aimé. Écoutez. Il y a des tests. Change cette décision là. Ne venge pas cet homme-là. C'est une preuve, c'est un test. Koufa. Cherche à surmonter cela. C'est un test. Avant de venir ici à Mimosa, j'ai connu un problème à Bandal. Daddy m'a donné une instruction de prier pour un frère qui était très malade. Après, la nouvelle était venue que non, ce frère-là était mort. On a donné à Daddy une mauvaise information. Que c'est moi qui ai négligé ses frères. Daddy m'a fait lever comme vous êtes là devant l'église. Pour dire que c'est moi qui suis responsable de la mort de ses frères. Toute l'église a réagi. Or moi je connaissais l'histoire de ses frères là. Parce qu'elle fait partie de ma belle famille. On a donné à Daddy une mauvaise information. Mais quand je suis rentré à ma place, le diable me disait, baby Sarah. Mon tege ba humilié yo. Sonia boy penala niveau na yo. Et mon esprit a tourné déjà ma film. Voilà, n'a boulé. Vieil homme à la mouki. Toi, Kala. Un temps, n'a pas besoin. Oh,
démarche d'un coq vers une poule. Je lui ai dit Yolala kunanga la lawa. La nuit s'est passée paisiblement. Le bas bien. Ça, ce sont des tests. Quand on a monté, on a dit qu'il y a solo. Le nom de ce qu'on a bien noté. Il y a un peu comme père. Les alliés, c'est qui? Le nom de l'adresse, wana. Oh, yos, rendez-vous, yos, on a pourquoi. D'ailleurs, effacez le numéro. Effacez, c'est bon, y a un nate. Moussous goûte là comme moi aussi, mais a commis André. Tu dois quitter. Abraham a quitté la maison de son père. Il était déjà riche. Mais il n'était pas grand. Parce que Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand. Malgré la richesse, il lui manquait la grandeur. Donc la grandeur nécessite de quitter. Quitter, c'est la délivrance. Cherche la délivrance. Tu cherches le mariage pendant que tu n'as pas encore obtenu ta délivrance. Mais on peut malibalango. On peut malibalango. La vie impudicitoire nous a ranango. Moi j'ai dit toujours à mon épouse, le mariage c'est la délivrance. C'est la délivrance. Quitter, Tika, l'homme, Tika, c'est toi sur qui Dieu compte pour la délivrance de ta famille. Mais si tu ne réussis pas à cette tête, à ce test, tu laisses ta famille captive. Il y aura cette ma famille, n'a prié, n'a retenu ma ramenine. N'a retenu la source, la bénédiction. Et c'est le ramouké. Et bande la rawapi. Et bande la rawapi. Et c'est le ramouké. Je vous ai déjà pratiqué du sport. N'a pas de la rawapi, mais tu as un sali sali. C'est un ma bendete. Et un ma bendete. Qui m'a dit que j'en souffle. Que ça a un exercice de la résistance. Que ça a un attends pendant 5 minutes, après changer boyer. Pendant 5 minutes, on se met à ça qui. Et ça te go bombé bende. T'as la moula pas de ma bende, bah on va sportif. Awa vimba, mais ma colo. Elemba. A vimba ganato le roi. Un sportif doit être équilibré. Et dans le colo, et ça a nassé, au monique à l'enda. Et dans la vie spirituelle. N'a pas moi, moli mon père, Zarabongo. Tu connais la parole? Oui, Ebili Loba. Et tu crains Dieu. La Bible ne dit pas. Bibi à l'hôpital. Cherchez d'abord à devenir pasteur. Lucas n'est pas comme un pasteur. Bon, on est si mégoya. Non. Et le Bible en côté. La Bible ne dit pas. La Bible dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Bibi à l'hôpital. Lucas n'a pas. Mais malheureusement, ici nous remarquons. Liba comme un bébé pour la Bible. Des gens qui cherchent au lieu de se convertir d'abord. Amen. Lui, il fait tout pour bien parler français. Moussousou, il y a un loup qui parle français. Il prêche. Atea, bien. Mais au fond, il n'y a rien. Ils ont gagné la Katina et Paula. Surtout les loyaux. Mingi, bah, Mikolo. Bah, comme il y a un jeune, j'ai pas de stratège. A Bogisi français. Français qui toque. Bah, jeune, Mikolo. A côté ses paroles. Donc, à l'oukina, non, comme un pasteur, comme un chrétien, Simon.
Voilà pourquoi ma bêtise est allée belé. Il faut d'abord devenir chrétien. Yaliboso, comment là nous Christ? Après tu deviens pasteur. Si maintenant comme un pasteur. Ne sois pas musicien chrétien, non. Amen. Quand la terre, oh, moyenbi, peu mon Christ tout seul. Sois chrétien musicien. Donc là là nous montons, mais comme mon Christ tout seul, nous yemba. Amen. Ah, moi je rends grâce à Dieu pour la formation que nous avons eue, papa, papa et maman le savent. Pour la malakisi, malakisi a bisou tata na maman. Avant que ma pasteur il sait, bah y'a binze là, tu le kanaki, tu oumelaki, tu sales l'inzambe, bah ané et belé, bon tout comme ma pasteur. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ma pasteur à vitesse. Moutoumou a tiki magie après 3 ans. A comme il goûte à l'obanzam. C'est quoi? N'yon soit là aux yeux à moi. La Bible ne dit pas cherchez d'abord à devenir prophète avant d'être chrétien. Mais aujourd'hui il y a ceux qui prophétisent. Mais quand tu regardes sa vie comme telle, c'est pas un chrétien. Mon Christ tout est. Je dois rester là-bas, quitter. Nazo mela la mamatika. Il faut tout ça l'église moko ya makas. Église moko ya ba parents c'était. Ya ba source. Je suis allé faire un séminaire à Matadi. Na kei kote akuna na Matadi. J'ai prêché. Na tei tei. Après une sœur est venue me voir. Si mande ko moko mwasi ya ko mona. Elle était touchée par le message. Ah si mama ki la lité. Elle m'a dit pasteur. Abi mo bateli. Je vais me repentir. Na ngina bongo na mtebo. Na lela masumu na ngai. Comme vous me voyez là. Non mona ngabo. Je suis sorcière. Na randoki. Mais il faut regarder cette fille hein. Ta la sigone ndoki ngwe. Ndoki android. Pembe loko ba sokola ke na lola français mulai na ba vie claire mendoki. Et moi je dis c'est vrai ce que tu dis abi oui ngama okut na tete mena na kindoki nabi yo pe na uzandoki abi o tena taka ndoki na boma ba tu belé o boma ba ngunenge ni na lobi no ka ande na 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 kindumba kaka so to bimi na yo ba moko kufi te. Au côté de la gibessière, nous avons l'ingé na bomayo, na obumu. Poto stoko, to sangani nonzoto. J'ai dit à cette sœur. N'allez pas dans les je n'ai que 2 jours pour terminer le séminaire et rentrer à Kin. J'aurai pas du temps. Et si quelqu'un n'a pas mis balé, na si ça n'a son acquis, ça ça. Alors je te confie à un intercesseur de cette église. Na tiki yo na maboko intercesseur moko. Dès aujourd'hui entrant en retraite. Banalelo nga na yoto ko ta retraite. J'ai appelé ce frère. Na bengi intercesseur. J'ai dit occupe-toi d'elle. Na bengi te sabito. Je lui ai dit regarde il y a ça 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 ça. Na bengi ne ko na kebisi na. Ça je dois lui dire parce qu'on a l'obéli yete. Na bengi ma toi na bisu ke ba moni oyo azabo azabo azabo. Mala mona ebisa ina. Gêné ou te regêner. Bon, qui l'a le dernier jour. C'était un dimanche pareil. Et d'ailleurs, dimanche, à la fin du culte. La sœur est entrée toute triste. Ne quoi continuer à mawa. Il y a moi aussi. J'ai directement compris que ça ne va pas. J'ai compris ça ne va pas. J'ai dit que 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 mais je dis, Aza na chance. Yé moutou Aza la kake, ceux qui pour bimina yé, Aza le rôle là, à côté. À côté sur la réserve. Na réserve, moukola ou l'ina robo mayo, ou l'ina ou tika tiki. A yoki nyo se wanate. Frère intercesseur, a yoki nyo se wanate. C'est-à-dire, Aza délivré te. A yak en église, mais a bongo la mouté maté. Que Dieu vous bénisse. Tikanza mapambo la bino. Sogi to kobeta maboko to beta kobia.